apposé. Il n'est pas belle, non? Que la paix de Dieu soit avec vous tous, Beraka. Amen, amen, amen. Ce soir, il fait bon d'être dans la maison du Seigneur parce que n'a pas marché vers la fin et moi, beaucoup de visiteurs encore. Parfois, c'est parce qu'à la fin, on joue plus visiteurs. Là, il y a des cadeaux que l'ancien Claudia distribuait. Moi, j'ai un pile de visiteurs. Et à ce moment-là, je ne vais pas déranger, non, parce que je connais quelqu'un l'autre qui l'a avant 7h même, qui est déjà là, parce que il y a quelqu'un qui reçoit un cadeau, parce qu'il vient avant tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui l'a peut-être deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Nous, c'est mec, on voit tous les visiteurs qui viennent ce soir adorer avec nous. Tous les visiteurs, faut-il camper, parce que l'église doit saluer d'une façon spéciale. Tous les visiteurs, faut-il camper. Nous avons besoin de honte. Béni soit l'Éternel, que Dieu vous bénisse à profusion. Bon Dieu, une bénédiction spéciale pour chacun de vous. Mettez-vous, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Nous sommes ravis. Nous sommes là, auréolés de joie. Nous sommes contents parce que ou là, ou qu'il y a activité pour venir dans des paroles, bon Dieu. Et ce soir, le message que nous allons considérer, il a une importance capitale. Il est titré Les sept fléaux de l'Apocalypse. Les sept fléaux ou bien les sept plaies de l'Apocalypse. Avant de commencer, je toujours fais un bagage que je vais faire encore. Ça que je toujours demandé de faire, sous rappel. Partager. Ah, il y a des gens qui sont intelligents dans la salle. Donc, moi, il y a des gens qui croisent les mains, ils sont en train de dire partager, ils ne semblent pas avoir un téléphone, ils sont sur les mails. Ils sont voyez aller pour moi, s'il vous plaît. Bah, on monte, descend, at least one person. Tout le monde partage le programme là, at least with one person. On ne peut pas partager. Téléphone n'est pas là. Depuis le monde, je monte le téléphone, partager le message là. OK? At least one person. Donc, on ne peut pas que ça me demande pour faire ça. Ou pas facile pour nous partager zin? Non, pas là. Il est facile. Pas de monde qui demande nous pour nous partager zin, nous partager. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous toutes maris, ma bon courage, vous faites la soirée. Parce que son zin, vous avez voué le bon gars même. Vous avez voué le bon. Parce que le monde qui veut le c'est zin, vous voyez le bon. Depuis c'est zin, vous voyez le bon pasteur. Parce que le pasteur a besoin de zin pour le prêcher, vous comprenez. Alright. Donc, merci. Parce que nous choisissons pour nous partager avec un ami, un collègue de travail, un voisin, un frère, une soeur. Merci. Nous allons partir. On a demandé au Kabakou Betetou pour une courte prière juste avant de commencer. Notre Seigneur que notre Dieu. Ce soir encore, nous faisons appel à toi. Toi qui as préservé, toi qui as inspiré cette parole, que tu viennes toi-même nous l'enseigner. Nous avons parmi nous beaucoup de visiteurs. Ouvre leur cœur et ouvre notre cœur. Par quoi que ou écris ces choses dans ta parole, dans le livre de l'Apocalypse pour bien. Ou écrit pour capable ban nous un avertissement. Ou pas aimer personne monde péri. Mais on t'a aimé tout le monde pas venir à la connaissance de ton fils pour capable gagner la vie. Seigneur, ce soir encore parle. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Parle, Père Saint, pour l'amour de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Les sept fléaux ou les sept plaies de l'Apocalypse. À peu près 10 siècles. En Égypte, pour bon Dieu te libérer peuplé, il te voyait combien plaies, si nous rappelons-nous? 10. Nous songez? 10 plaies. En fait, ils vont au premier. Pharaon dit Nad Marinad, m'a quitté le peuple. Ils vont au deuxième, Nad Marinad. Ils vont au troisième, Nad. Ils vont 5, 6. Il arrive dans le dixième, il dit, Moïse, one more, and they will let you go. Il dit, tu dis tout peuple moins pour moi. Si on tient agneau, pour un sang, passe dans l'entoport là. Parce que l'ange destructeur pour le passé. Et l'aile passée, depuis le sang sous porte là, tout le monde est dans le sauvé. Mais tout côté pas de sang, que ce soit, n'a pas mis peuple moins. Que ce soit parmi peuple égyptien,
premier-né a mouri. Soit ça, chaque caille en Égypte gagne la mort. C'est soit que ou gagne l'agneau qui mourit dans place premier-né, ou bien premier petit homme mourit. Gorel pété en Égypte. Et Pharaon dit, get your people out. Il a fait gros nègre, il va quitter le peuple. Allez, qu'on y a dit, allez, 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 allez. Bon Dieu, t'es voyé combien? 10. Maintenant, fait temps, avant bon Dieu délivrer nous, avant le dessin de venir chercher nous, la Bible dit, il parle, voyez combien? 7. D'ailleurs, tout le monde est clair sur ça. 7. Chaque 69 Bible en aller, n'a pas le tourné, n'a pas le Bible là. Comment sont appelés les 7 fléaux? Parce que l'Apocalypse bat un nom. Apocalypse bat un nom. Soit même un nom. La Bible Jésus. Pas oublier. Apocalypse, c'est révélation de qui moun? De Jésus-Christ. So, c'est pas moi. C'est la parole de Jésus lui-même. Comment sont appelés les 7 fléaux? On nous regarde bien d'après Apocalypse 15, le verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient combien? 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Comment est-ce que les derniers? De temps en temps, bon Dieu font frapper, oui. Il y a des autres. Il te frappe Sodome. Il te frappe le monde entier avec le déluge. De temps en temps, ils font frapper. Et jusqu'à présent, bon Dieu, font frapper. Pour une fois ça, bon Dieu dit, la voyez combien? 7. Et ce seront les derniers fléaux. Pas bien encore. Après yo, that's it. Après yo, c'est libération. Après yo, pas gain amour encore, pas gain souffrance, pas gain douleur encore. Après yo, c'est la vie éternelle. Le dernier triple message d'amour, on me dit message comment? D'amour et d'avertissement de Dieu au monde se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je dis soit après soit que je tourne de temps en temps sur ce texte-là. Cette péricope, Apocalypse 12, versets 6 à 12. D'ailleurs, on entend très bien. C'est le dernier message d'amour, mais aussi message d'avertissement au monde. Dans quel livre que le trouvez-le? Apocalypse 14, versets 6 à 12, qui dit quoi? Mes premiers anges, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant comment? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, quoi? Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu, nous font petit campé, l'âme toujours dit, pit komaron zanana kompengouen. Donc, il dit à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, n'importe moun, message ça c'est pour vous. Regardez, ma belle, je dis Adventiste Baptiste, parce que ça, il va pas. Il dit n'importe peuple. Regardez, compagnie même, ou haïtien, ou spanish, ou américain, ou français, la Bible dit, dernier message ça c'est pour vous. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Why? Car l'heure de son jugement est venue. Et pour nous-mêmes qui habitons venir là, jugement commence dans quelle année? 1844. Nous sommes dans les temps Noé, bon Dieu, le peuple a combien? 120 ans. Pour être capable de répondre si. Sauf so, pour 1844, à Coulier, là, nous avons à peu près 175 ans. Maintenant, plus gros qu'on y est. Qui est bon Dieu pour le dire? En effet, none of us knows. Nous ne savons pas qui est. Mais l'air, ça marche. Craignez Dieu, prends bon Dieu sérieusement. Pas jouer avec bon Dieu. Fais volonté bon Dieu. Respecte bon Dieu. Why? Car l'heure de son jugement est venue. Et Ange continue pour lui dire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qui ça Ange l'a demandé pour nous faire? Adorer mon ange fait ciel, la terre. Ça veut dire, il dit adorer le Créateur. Si ange, le premier ange, non, après les moun pour adorer le Créateur, ce qui revient à dire que gen moun qui pas adoré le Créateur. Et me dit, la meilleure façon qui prouve que vous adorez le Créateur, c'est là qu'on adore le Créateur dans le jour que le mettez à part là. Il est Dieu. Tenez très bien. Si c'est où que tu es bon Dieu,
Pour aller adoration collective, je ne vais pas te dire, mais je dis, hey, mais jour ça, tout le monde vient procéder devant. Et c'est ça que bon Dieu fait. Il met ton jour à part depuis notre création. Il dit le monde entier, joue ça. Les nous adorer, nous prouver que je suis le créateur. Parce que je mets ton jour à part depuis notre création. L'on pas adorer dans le jour où dit pas créateur. Ou dit tout bon vraiment ça. Monsieur Abdidewa, c'est nous confirmer. C'est dans le ciel que nous sortir. Son processus d'évolution, son bing bang qui fait nous. Son premier ange n'a pas les forts. Mais la Bible dit qu'un deuxième ange, un autre, un second ange. Suivi en disant quoi? T'as très bien sa deuxième ange dit. Elle est tombée, Babylone la grande. Faut-il camper là? Je connais Simbou, Mabdouli quand même, parce que fait m'bolé. Demain, si je veux me parler de la Babylone la grande, faut qu'on est allié. Venez pour étudier ensemble. En nous, ça la Bible dit. Nous avons deux femmes dans la Bible. Il y en a dans chapitre 12, Apocalypse 12, l'autre là dans Apocalypse 17. Demain, si je veux venir. Parce que la Bible dit, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé quoi? Toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Demain, si on connaît tout, on connaît tout de Babylone, on connaît tout de bagaille. Ok? Troisième ange, non, et un autre, un troisième ange, les suivit en disant quoi? D'une voix forte, comment? Si quelqu'un adore la bête et son image. Faut-il se rappeler là? Songez, premier ange dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sous-dos. Qu'on est troisième ange dit, si qu'on moun qui permet pour l'adorer qui ça? La bête et son image. Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui. Tenez très bien, oui, aussi du vin de la fureur de Dieu. Verset comment? Sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté où ça? Dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Bon, je dis, il y a un monde qui permet d'adorer bête là avec image. Et guess what? Si vous continuez à venir, avant de finir, je prêche sur la marque de la bête pour me dire où ça marque bête là. Pour ne pas adorer. Et nous parlons de temps Bible, nous faisons Bible à Dieu, mais ça marque bête là. Ok? So, venez. Venez. Si vous voulez qu'on parle, bon Dieu. Bon Dieu dit, on moun qui permet d'adorer bête là. On moun qui permet d'adorer image bête là. Ma coule café en main ensemble avant. Bon, ici, nous connaissons le café en main. N'a bon café en main ensemble. Ils vous parlent tout monter dans feu. Et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Non, pas bien nous venir pour nous connaître ça, les sept fléaux, les sept derniers fléaux de l'Apocalypse. Quelles sont les deux punitions mentionnées pour les méchants dans le texte de ce livre-là? Il y a deux punitions mentionnées pour les gens qui recevront Macbeth là. Il dit que Mounsayo, il boira du vin de la fureur de Dieu. Il dit, bon Dieu, fâché. Nous, regardez. Nous avons entendu des coups de louage fait. Ça va y aller devant son palais dans le jour ça. Bon Dieu pour le fâcher. Et mon deuxième bagaille, non seulement bon Dieu pour le frapper avec fort, mon ça gagne pour le bouler dans le feu et le souffle. Pourquoi je moule dans manger? Petit doit être boulé seulement. Boule pas doux, mes frères et mes soeurs. Bah, il dit dans la rien que l'enfer c'est un côté ou pas le boulot pas jamais mourir pas boulot moi ça c'est mensonge Satan bon pour l'élite dit vous ne mourrez point. Imaginez bon Dieu ça pour pas même faire 50 ans sous terre ou pas même faire 100 ans sous terre pour l'albor un feu éternel qui va jamais éteindre. Non. Le du feu à éternel, ça veut dire, moun pa ka éteindre feu à. Feu à bouler jusqu'à ce qu'il fin boule. Et le fin boule, tout bagay fin. Par exemple, la Bible dit Sodome avec Gomorrhe est boule par un feu éternel. Est-ce que feu à boule qu'on y a là? Non. So bon Dieu, pas le boulot pour juste ça fin. Non. Ou à boule, pompier, pape sauve. Pas gen moun ka mette moun de yo. Moun a pas tout monter dans le feu et le souffle. Tout récemment, je regarde une petite vidéo bon, sur en Haïti. Bah, ça l'aide. Je vais faire parler de lui. Un monsieur, au point, je ne sais pas si c'est si c'est 400 maroons. Il y a un du feu sur le nègre. Le nègre n'a pas qu'à mourir, non? Moi, je ne vais pas regarder ça. Je ne vais pas regarder.
Bika, je ne vais pas regarder. Ou même la rita terre, du Fernando. On est qui dit, ouais, comment prenez-vous tellement tellement de points? Du feu sous lui, il n'y a pas mourir. Mais du feu l'éternel n'a pas de gros déclarant. Du feu l'éternel n'a pas de gros déclarant. Mais si parce que Satan qui s'attend pour le passer dans du feu ça. Une bonne nouvelle, c'est que l'éternel, Jésus dit, du feu, ça n'est pas fait pour les hommes, il est fait pour Satan avec Angélio. Mais malheureusement, il y a des gens qui parlent dans du feu. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de faire ça, bon Dieu, moi, depuis au fait. Est-ce que bon Dieu a mené en haut, pendant ce temps en bas, ou pas le faire volonté, pour continuer à rébellion en haut? Non, il n'y a pas qu'à faire ça. On avance. Quand les fléaux, comment seront-ils à tomber? Qui les fléaux ça ou pas commencer à tomber? Après la fin du temps de grâce, la colère de Dieu se manifestera par le déversement de cette coupe. Chacune contenant quoi? Un fléau qui frappera les impénitents. Alors, dit, moun qui pas demandé pardon, moun qui pas demandé pardon pour moun j'ai pas donné yo, yo li impénitent. Moun qui pas confessé péché, moun qui vive dans rébellion, moun qui pas lui faire volonté de mon Dieu, pas lui garder loi, yo dit loi bon Dieu aboli yo cloué sous la croix. Mais fléau pour le tomber. Tendez grâce là pour le terminer. Porte grâce là pour le fermer. Il n'est pas pour ouvrir pour tout le temps. Salvation door closes, mettez trois fois pour changer. Chaque cas ayant été décidé, alors s'abattent les fléaux. Si mon moment pour moi avoir pour nous camper, pour nous prendre position pour mon Dieu, c'est bien ce moment. Parce qu'automatiquement, porte grâce à fermer ou pas qu'à décider encore. Et ou pas l'ouest en enflé. Ou après en vie converti ou pas ka converti. Ou après en vie mande pardon ou pas ka mande pardon. Why? Parce que l'esprit de Dieu pour le retirer de la terre. Parce que le sang des fers est prononcé. En avance. En nous avance qu'on y est. Puis je vis dans le ciel. Un autre signe, comment? Grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je t'en dis, tenez très bien, une voix forte, Apocalypse 16, verset 1 toujours, qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Il y a sept anges qui gagnent sept fléaux. En le terme, il y a tant de signes, l'éternel puis au frappé. Et puis, il y a un ange qui sortit dans le temple, en côté Jésus a intercédé, il dit, go now! Time is up! Frappez la terre! Allez et versez où ça? Sur la terre. Les sept coupes de la colère de Dieu. Et puis, vous partez, oui? Quel est le premier fléau? On nous regarde ça, la Bible dit. Le premier alla et il versa sa coupe où ça? Sur la terre. Après, la Bible dit, l'elfine verse coupe lui. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient quoi? Oh! Ou ce j'ai bon, je te dis, moun qui prend mac là, qui adore bête là, la coule en café, en mais ensemble avec yo. Premier moun, bon Dieu frappe, c'est moun mac bête yo. Premier moun y frappe. Premier moun. Premier groupe moun. C'est moun qui recevra mac bête là. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient quoi? La marque de la bête et qui adorait son image. Ange n'a pas dit, il boum, il frappait, et là il frappait les hommes points. Et là ça, ou pas de côté ou mettre corps. L'hôpital pas qu'à guérir ça. Pas de médicament pour lui. Même fait l'éternel ou bien il pas de travail parce qu'il y a pas le travail contre volonté, bon Dieu. Parce que bon Dieu pas qu'à frapper, ou dit ma parole pour ça, bon Dieu met ton corps pour guérir. Non, il va passer. Il parle trop. Chaque jour, chaque année, année après année, bon Dieu a fait appel à vous. Il est l'on croisade, il dit, hé, mais où tu l'as marché là-dedans? C'est vérité, c'est parole moins. Still, you don't do nothing. Jusqu'à ce que loi dimanche passé, Macbeth passé, ou prend Macbeth là, et puis boum, bon Dieu frappé. Qu'arrive-t-il pendant le premier fléau? Je ne vais pas être obsolé, parce que je vais vous dire la voix. Qu'arrive-t-il pendant le deuxième fléau? On nous regarde ça, la Bible dit. La Bible dit, le second versa sa coupe, où ça? Dans la mer. Et elle devint comment? Du sang. Comme celui de mort. Et tout être vivant, ça qui passait, mourut. Tout ce qui était dans la mer. Tout ça qui. J'en aurais mes poissons. Bon, vérité, moi, je me dis, mon écrit, mes petits poissons, mon pile.
On dit poisson avec petit duri rouge, petit duri avec poids rouge là, c'est même des maïti en pile. Ou pas jouer un poisson pour manger. Bâtiment pas qu'à circuler pour aller en Haïti, aller pour manger. L'on met, guess what? Les bêtes mouillent qui côté au campé, sans l'aide, le monter. Ça veut dire bloquer la mer. Pour toute bête qui gagne la mer, mourir. Sous la terre, les hommes même gagnent d'où les souillons. Pas de jouet ça, non, mes frères et messieurs, pas de jouet là même. Il frappe la mer, il dit la mer, tout ça en dedans doit mourir. Et bête ça, on va la gagner on est la mer, on va pousser bien loin, il pousse 100 ans dans tout le monde. Tout bête va mourir. La mer rouge, the sea became as the blood of a dead man. C'est ça, de la Bible dit. On avance. Troisième fléau. La Bible dit, le troisième versa sa coupe. Où ça? Dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint, qui ça vint sans qu'on y a? De l'eau, sous l'eau, yo. Tenez ça, la Bible dit. Tenez ça, la Bible dit. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, ah, faut camper là. Ouais, bon Dieu, gon, gen ange pour tête bagage. Ouais, sous tombe dans de l'eau, moui, gen l'ange des eaux pour retourner dans de l'eau. Sous tomber dans du feu pour du feu boulot, il y a l'ange du feu pour descendre dans du feu pour faire du feu tourner air conditionné. Sous observer, bon Dieu, c'est aucun problème. J'ai entendu l'ange des eaux qui disait, attendez ça, l'ange des eaux dit, tu es juste, toi qui es, qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Il dit, pourquoi fin balai? Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Bon, tout ça, ange n'a dit, ange n'a dit, baille au sang pour yon boire, yon mérite. Et ça, il dit là, ils en sont dignes. On va compte sur ça qui a passé là. Qui nous qu'est-ce nous qui le matin là qui pas utiliser de l'eau. Depuis Américain monte dans l'espace premier bagage là pour chercher qui ça de l'eau. Parce que si pas gain de l'eau, pas gain la vie. Nous bosser dans nous ensemble avec. Nous faire manger ensemble avec. Nous baigner ensemble avec. Nous laver rad nous ensemble avec. Nous laver machine. Si pas gain de l'eau, pas gain la vie. Qu'on y a bon Dieu frappé sous l'eau yo. N'oubliez si c'est moi qui fait la pluie tomber. N'oubliez ces mecs banou de l'eau, nous parce que banou de l'eau parce qu'ils n'achètent Zephyr, n'achètent Aquafina, nous parce que ces mecs banou yo. N'oubliez, si c'est moi, l'Éternel dit, qui fait de l'eau, nous pas qu'à respecter. Nous pas qu'à respecter. N'oubliez, nous parce que ces mecs banou de l'eau. Nous est soleil la clair en l'air, nous parce que ces mecs qui belli. J'aime toujours dire ça, c'est ça, mais regardez. Femme paye pour ça, je comprends ça, mais soleil là, il ne paye pas pour lui. Si vous avez bouché à fond, bouché, il ne paye pas pour lui. Coupé pour un soleil là, il ne paye pas pour l'Éternel. Il en sont comment, ange l'a dit? Il en sont dignes. Il dit, il mérite le bâillon sang pour le boire. On a avancé. J'ai entendu qu'on y a l'autel qui disait. T'en es très bien, même j'ai toujours l'autel qui a parlé qu'on y a. En d'autres termes, le sang de Jésus parle maintenant. J'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Où est-ce qui est-ce qui dit ça? L'autel qui disait. En d'autres termes, il y a fort fond réminiscence, il y a fort tourner bas pour le sacrifice de Jésus. Salvin point pour vous, comment le mourir dans la place, comment vous clouez main, vous clouez pied, comment vous pendiez tout tourner, j'en m'en ai fait, vous rachetez Babi, vous faites coup, vous avez un pic dans la tête, vous avez une calotte, vous avez qui gratte gorge, vous allez là, vous pouf, dans la figure de Jésus, pour ma foi. But still, nous pas accepter. L'autel parle, elle dit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Toutes sortes que vous avez fait pour les hommes, vous faites, but still, vous pas sauvé. Rivière, fontaine de l'eau, tout, yo tourne qui ça? Sang, pas gain de l'eau. Quatrième fléau, après le frappe, oui. Le quatrième versa sa coupe, où ça? M'de que ça a mis qu'un bel soleil là. C'est ça a mis qu'un bel soleil, la lumière, pas la lumière qu'on y a. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent. Quoi? Le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ça fait pas qu'à repentir. Pas de grâce là, fait mais.
Moun pou ki sensibilise aux lois pas tant de voile. Qu'on est à l'école sorti. En d'autres termes, tout moun ki était pas converti, techniquement moun sont fait pécher contre le Saint-Esprit pour moun ki étudier ensemble avec. Sauf qu'on y a soleil là même gasoit. Pour continuer bon soleil moyen pas le boulot. Après la Bible dit les hommes boulés. Bon tu fais bouler. Ouais, je dis, il a parlé de comment les quand même global warming, réchauffement de la planète. Ça n'a pas encore rien devant ça qui est pour y vivre. Parce que un ange qui parle frapper sur l'air là pour bouler les impénitents. Ce n'est pas moi qui dis, c'est pas le bon Dieu qui dit. On nous passe dans le cinquième, non? Le cinquième ange verse ça, ça coupe où ça? Ah, la bête qui tape bon problème, non? Guess what? Il n'a pas frappé la bête. Ça qui passait. On nous garde ça, le dit. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se moquent de la langue de douleur. Et, regardez bien, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils n'ont pas qu'à repentir, ils trop tard. Yo t'a voulu répondre, yo t'a voulu pour. Regardez, quand le pasteur Paul me voulait baptiser, il saoulé. Vu nous reporte ça, là, pape, je ne l'ouvre. Vallée de bénédiction enfermée. Sous bon temps pour être arrangé qu'aux autres, parce que papa, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Après, il m'a fait une bonne mauvaise nouvelle. Yo, c'est une mauvaise nouvelle. Mais moi, parle pour le monde qui est Jésus, yo, you have nothing to fear. Vous n'avez peur en rien. On va voir ça dans un instant. Ok? Now! Kingdom Betla, his kingdom was full of darkness. D'accord, gen go comment dire ça même puis allume lumière yo. On est soleil là pas baigou en pas gen même, yo gen groupe électrogène là yo. C'est bien l'ouvrir moi, yo gen génératrice, c'est bien l'ouvrir. Et bon Dieu qui frappe dit blackout pour. On pas prendre ni devant ni derrière. Et les bon Dieu bon ténèbres ou pas carré quand tu passer. Que se passe-t-il durant le sixième fléau quand les gens l'ange vers sa coupe où ça? Sur le grand fleuve, le froid. Les cinq fleuves, nous avons pris votre côté qui est belle qu'on y a. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, le froid. Et son eau tarie. Ça n'est très bien de l'eau asséchée. Vous comprenez ça qu'on parle là. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Le roi venant de l'Orient, on dit Mounioué? On dit Mounioué? Ah, c'est l'Éternel des armées avec les anges qui ont débarqué. On va le voir ça plus devant, on va montrer ça. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Et trois mouns qui ensemble. Trois esprits comment? Impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font quoi? Des prodiges. Je ne sais pas, ils font plus le miracle. Et qui vont vers les rois de toute la terre. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Bon Dieu pour le frapper connu avec M. Sao Konya. Bon Dieu pour le frapper connu. Là, on y est, suivez ça, la Bible dit. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui vient et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas comment? Nu. Ça veut dire nu. Veillez pour marcher tout nu. Et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus, bon avertissement, là! Il dit, m'en route. Les rois de l'Orient, c'est les cap de baquet. M'en route. Bon, bête là, dragon, faux prophète, qu'on est Jésus à venir. Il va rassembler tout peuple dans un lieu en hébreu appelé comment? Amageddon. Ça, mot, ça signifie. Ça nous est la bataille d'Amageddon. The battle of Amageddon. What is that? Bon, m'en dit bien vite. Ce n'est pas une guerre pour pétrole. Jean Pilmon mon abdi dans la télévision, le prédicateur abdi. Pour qu'on y a Américain presque pas dépend de pétrole, la monnaie commence à avoir pas pétrole par. C'est bon guerre pour pétrole que lié. La grande bataille d'Amageddon qui bataille que lié. Le mot Amageddon, son seul fois mot apparaît dans la Bible. Là. Et les mots apparaissent une seule fois dans la Bible, il y a ça, Apax Legomenon. De bon mot apparaît une seule fois. Apax Legomenon en grec. Ok? Now. Amageddon, ça signifie. Nous parlons de ce que moi pour capable ça signifie. A, en anglais c'est Amageddon, il commence avec H. Alors là, ça symbolise, c'est mountain ou bien hill.
En montagne ou bien une petite colline. Mohed, ça signifie assemblée. The assembly of God. Ok? Ou bien Mount of Assembly. Mount Zion. Christian Church. Tout ça aussi symbolise même bagaille, signifie même bagaille. So, l'air parle aux batailles de l'Amageddon, qui ça que lié? Amageddon commence à la sixième plaie pour se terminer à la septième. C'est là qu'elle commence, la sixième, la finie en septième. Amageddon est l'acte final du drame séculaire de la lutte entre qui ça? Le bien et le mal, entre le Christ et Satan, avec leur armée comment respective d'anges et d'hommes entre la vérité et l'erreur. Ces dernières tentatives, l'ennemi pourra le faire pour le renverser l'Église. Dernière tentative! Mais l'armée ange, bon Dieu dans le ciel, pourra le participer. L'armée Satan pourra le participer. Moun qui petit bon Dieu pourra le participer. Et moun qui petit Satan pourra le participer. Et dernière guerre. So, the battle of Armageddon is what? For those who speak English. Is the Satan's final attempt to overthrow Mount Zion, the Church of God. Pour l'église pas existe encore même. Parce que vous pouvez l'accuser, nous, c'est nous cause fléau. Vous entendez très bien, oui? Nous cause fléau à frapper la terre. Nous démontre au gros terre qui dit Satan parle simuler le retour de Jésus. Et c'est ça que le parle dit. Ouais, ou qu'on est ça qui fait toute la vie d'un moment, ça apparaît même. Ou qu'on est ça qui fait toute fléau, ça frappe là, c'est parce que nous continuons à observer le sabbat. Et ça, regardez, ouais, depuis avant le fait, nous déjà disons pas le fait. Il pas l'accuser, peuple bon Dieu, qu'on y a pour son dernier effort, ça n'a pas le fait pour faire tout le monde quitter le sabbat l'éternel là. Signe du Dieu créateur. The whole world, tout le monde là, will be what? On va lire. Will be the battlefield and everyone will be a participant. De pour vivre sous terre, tout le monde va participer. Tout le monde! Mais bonne nouvelle là, guess what? Ou pas qu'attendre à la fin pour battre proposition. It will be too late. Parce que porte de grâce, ça va le faire. Mais c'est qu'on y a pour déjà camper. Ferme, vous dit, mais écoutez, me camper. Mais écoutez, me camper. Jésus, dans la route pour le venir. Et Jésus, pour le débarquer. Et l'aile débarquer, couteau pour aller. Le retour de Jésus, il pour le faire pendant qui ça? Le septième fléau. C'est là pour commencer à prêter attention. Qui deux choses qui arrivaient pendant le septième fléau? On nous regarde. Le septième versa sa coupe où ça? Dans l'air. Ouais, il a frappé la mer, il a frappé de l'eau, il a frappé rivière, il a frappé tout partout. Il a frappé soleil qu'on y a, il a regardé dans l'air, vous voyez. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: It is done! Son effet, it is finished. Oh my goodness. Ma katan pour moment ça. Pour ton pour dire même j'ensemble avec mon pa katan pour moment ça, faut préparer oui. Matin me lever premier texte que me recevoir son tremblement de terre dit qui va pas Haïti. Deux jours avant ça là, c'est inondation à montrer côté kaya prend machine, nous pas yo, kaya prend machine, kaya prend moun, kaya prend bête, moun camper sous tête kaya, tout moun a crié après l'Éternel. M'pa ka wè misère, m'pa ka wè souffrance encore. Ou remè ça qui a passé là? Ou tellement à l'aise, ou pas tellement Jésus vini? Gon ange qui sorti dans temple, il crié son effet. Anglais a dit, it is done. Jésus-Christ en route qu'on y a là tout bon. Et après la Bible dit, les anges n'ont fini dit, t'en es très bien. C'est-à-dire qu'elle me parle de tremblement de terre, ou pourquoi de tremblement de terre? Les anges n'ont fini dit, it is done. La Bible dit, il lui croit des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Nous pouvons jamais être tremblement ça. Qui compte au roi le camper parce que tremblement de terre ça frappe tout partout. Qu'on en Haïti, qu'on aux États-Unis, qu'on en France, qu'on en Allemagne, tremblement de terre pas le frapper. Tellement fort, la Bible dit, t'as dit très bien, et la grande ville fut divisée en trois parties. Bon, je vais passer là.
Ma wè di ou ki de ma wè se ki de nga, mga bon bon ti ba yi tout petit. Gran vil ki divise entre trois parties, c'est alliance qui était faite entre bête, dragon et faux prophète là, qu'on y a divisé entre eux. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Et les villes des nations. Les villes des nations. T'as dit bien, mais mon ouais. C'est là que la frappe n'importe côté qui. Quand on met le seul en France, en Allemagne, aux États-Unis, Papa, nous, Hollande, d'autres. Et les villes des nations, quoi, ça arrive, yo? Tombèrent. Parce que le tremblement de terre souqué, ou fait tomber. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande. Songez Babylone, demain si Dieu vient d'apprendre Gescalier. Pour lui donner quoi? La coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent. Et les montagnes ne furent pas retrouvées. Même montagnes déplacées, toutes couilles. Comme le détachement de toute barrière, t'es net. Quand on peut aller dans un moment ça, qui soit pour le faire? Qui peut pas le serrer? Pi bel bâtiment qui a serré en bas là, il va tomber. Pi bel cas de la couche en bas là, il va tomber. Mais il y a une bonne nouvelle pour petit bon Dieu. T'as très bien, la Bible pour qu'on finit, non? La Bible dit, et une grosse grêle. Il y a une voix, un tonnerre, un tremblement de terre. La Bible dit, une grosse grêle dont les grêlons pesaient combien? Un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Parce que ce fléau était très grand. Ouais, il va dire, ce fléau était grand. Ce fléau était très grand. Premièrement, un grand tremblement de terre fait. Pour pas camper, montagne pas camper, caille pas camper, tout pas écrasé. Les villes tombèrent. Nous sommes devant là. Nous sommes devant Dieu, nous. Et puis, un grêle qui tombait. Alors, il dit, bon Dieu, calonne mon accouche qu'on est. Roche bon Dieu, c'est grêle lié. Gros boule glace. Moun ka bat beaucoup, oui, parce que guess what? Ou a bat beaucoup, oui, parce que kay tombe. Ou pas tout en Haïti, le tremblement de terre a fait koto e moun yo kampe. Nan la rien. Tout récemment, de moun, tout le tremblement de terre, là, ou e moun akti motocyclette li, li couche nan mitan la rien, il mette motocyclette, parce que il va ka kampe. Terre tsouke, il mette motocyclette la couche, il couche. Koun a bon Dieu, ah, on patre tan bakay la bokay la gazo, ma bo grêle. Son seul côté qui parle de sécurité. Et c'est le seul côté sa guerre sécurité aujourd'hui. En Jésus de Nazareth. Elle est très bien, mais ça me zoom de bol déjà. Ville la divisée en trois parties. Trois parties, c'est bête là. Dragon, avec prophète, ils ont divisé qu'on y a. Mais ils divisé, ils ont uni puis ils ont mangé le peuple là. Ils ont divisé qu'on y a. C'est comme si dragon dit, bon, m'a frappé là. Bête la dit m'a frappé là, faux prophète la dit m'a frappé là. En nous, regardez même si nous pas unis, bot frappé quand on t'a frappé parce qu'elle n'est pas caillée de l'autre. Il y a problème, frappé quand on t'a frappé. Et qui nous connaît pas le frapper? Peuple bon Dieu, mais bonne nouvelle, mais bonne nouvelle là. Dieu protège son peuple. Quand t'as maintenant, bon Dieu pour le protéger peuple. Ou papiti mis en gardon. Très très bien, nous commençons avec le message là. Pendant 10 plaies d'Égypte là, bon Dieu t'a protégé le peuple, pas vrai? Bon Dieu t'a dit peuple ça pour le faire. Dans Exode 12, verset 7, il dit, on prendra de son sang, de l'agneau, le sang de l'agneau, et on mettra où ça? Sous les deux poteaux. Après l'Éternel pour le parler, il dit, je verrai le sang, ma poisson, et je passerai pas dessus. C'est ça que nous voulons, en anglais nous dit, pass over. Passover. Jusqu'à présent, nous célébrons Passover. Pâques. Je passerai au-dessus. Les anges destructeurs passent l'US. Ils disent non, là, c'est petit bon Dieu. Après, je passe. Tenez ça, bon Dieu dit bien dans le texte là. Je passerai dessus et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Pas de plaies qui frappent. Sous point sang, sans me faire ou faire. Ça, c'est dans l'Égypte. What about now? Aujourd'hui, coulière. Pour éviter les sept derniers fléaux, nous devons accepter quoi? Le sang de Jésus. Parce que le symbole n'a pas changé. Sang autour de tu agneau, il symbolise l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus. Mais comment? Acceptons-nous le sang de Jésus aujourd'hui? Comment? Est-ce que c'est l'embouche pour me dire m'accepter sans Jésus? Jésus dit soit accepté sans, mais soit doué fait. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Nous devons mettre une autre façon encore, oui. Celui qui croit et qui sera baptisé sera protégé. Mais où dit où quoi? Où dit où voulez éviter fléau? Moi, je ne vais pas baptiser. Dans le terme, je ne vais pas accepter sans Jésus, je ne vais pas accepter le sacrifice. Bon Dieu, vous me dit à soi, mettez soi sous vous. C'est ça que je dis partout dans le monde. Dans le pays, côté l'évangile, pas de prêcher. Après la chute de Berlin, mur de Berlin, c'est des milliers de monde qui prennent entrée dans les eaux baptismales, femmes qu'on garçon. Pour qui ça? Pour être capable de recevoir le sceau de Dieu. Pour être capable de protéger de façon à ce que les fléaux a frappé, pour qu'on ait yo couvri. C'est comme si moun sa yo te accepté médecin. Moi je dis à bon Dieu qu'on est qui moun que nous y est, c'est moun qui sophistiqué, nous gen bel kay nous, nous pas pour le tuer bête pour nous passer sans bête dans kay nous, nous tout a perdu parce que nous pas faire vraiment jodi. Hey! Mon bel kay, ce château, tout moun connaît, après mal passer sans bête n'importe. Moi bon Dieu connaît moun, bon Dieu dit OK, ma bonne ti bien facile. Descend nan de l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Son symbole. Mais plus encore lui-même, il fait pour nous pour qu'il soit un exemple pour nous. Jésus est baptisé. Paul t'est baptisé, tout monsieur est baptisé pour montrer qu'ils sont bons bagages que lui. Gardez jeune garçon qui a baptisé, vous pensez que c'est imbécile ou imbécile? N'est-ce pas grave venir devant? Il va t'arrêter la caille, il coucher, il va te dire, regardez, il y a une femme, il y a une belle femme dehors pour me faire flander, qu'on y a là, qui va y baptême ça. Mais il connaît, pas de sécurité de l'autre côté que Jésus de Nazareth. Il est baptisé. Gardez les gens qui ont baptisé, plusieurs pasteurs qui campent dans l'eau, là, à descendre, garçon et filles en même temps. Why? Parce que vous connaissez. Pas de salut l'autre côté que en Jésus de Nazareth. Yo tout connaît, yo doit recevoir le sceau de Dieu. Jeune si fille, jeune si garçon, jeune si monde, ap descend dans de l'eau. La Bible dit celui qui dit, allez très bien, je l'ai connu. Allez très bien, oui. Parce que ma parle comment pour recevoir, pour pas recevoir ce sceau. Premièrement, faut baptiser. Deuxièmement, faut garder les commandements, mon Dieu. La Bible dit celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2 verset 4. Son moun dit ou kon bon Dieu. Apo dit loi bon Dieu aboli, ça va pas la bonne encore bien que bon Dieu souviens-toi, il dit songe, pas oublier pour mettre joie à pas. Ou dit loi ça aboli. La Bible dit la vérité pas l'homme même, c'est menteur quoi. Mais là. Il là. Mais troisième bagaille pour qu'ils soient besoin baptiser. Et ça a une importance capitale. Apocalypse chapitre 7 verset 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait quoi? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça va très bien. Ndezouli. Quatre anges crampés, yo kembe vent destruction, vent malheur, vent problème qui pourra le frapper terre. Et puis, ange qui dit, monsieur, pourquoi lâcher vent yo? Pourquoi quitter mal le frapper la terre? Pourquoi? Pas frapper en rien. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Moun sa ou ak descend nan de l'eau, c'est moun que bon Dieu a marqué de son sang. Moun que bon Dieu a scellé. Seul les scellés seront comment? Protégés. Pour sceller, il faut baptiser. Jésus-Christ, l'aile descend en bas de l'eau, le Saint-Esprit descend sous lui pour sceller le loin de lui de force et de puissance. Descend dans l'eau tout pour baptiser. Jeune garçon, me démontre, je vais pas là. Sur quelle promesse de Dieu peut-on compter durant les plaies? Qui promesse, bon Dieu, bonne dans la Bible là, mais bonne nouvelle là, mais bonne nouvelle là. Par exemple, où qu'on est. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approche pas de ta tente. Quel est le plan de Dieu? C'est la question que nous devons poser. Qui plan bon Dieu gagne pour protéger petite lit? Passe bon ou non? Somme 91 sont belles. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bon, mal avoir plus loin. Thou shall not be afraid. C'est toujours dans le même somme là. Mais bon, mal est plus clair, plus spécifique. There are good news in the plagues. Gain bonne nouvelle pendant plaie ou pendant fléau. Mais où doit qu'on ait bonne nouvelle? Par exemple, premier aller laguer, l'aller li frapper qui ça? Ah, pas la même, qui côté frappe, mais il sous écran. Le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre
un ulcère malin et douloureux frappa mon yokte gen Macbeth là. Comment on capable protéger? Tandis ça la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'île non, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais pas tu m'aimes. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun frayon n'approchera de ta tente. Béni soit l'Éternel. Mais regardez bien là. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Faut faire Très-Haut qui ça? Retraite où? Faut faire le tourner refuge où? Faut rentrer en basel li. Faut baptiser pour mettre sous sous. Bon, sous pas vle, il pas qu'à faire sous. L'élite dit passer sans dans l'époque. Et sous t'es vle, ne pas passer sans, ap gen nan mon cas même oui. Et c'est ça qui est arrivé. Il dit où ça pour faire? Deuxième nom, regardez bien, mais regardez, deuxième nom, quand il te frappe, regardez bien, ça la Bible dit. Le second verset, sa coupe dans la mer. Tout poisson mourit, il ne va pas prêter là-dedans. Bon, ou pas besoin de manger pour manger. La Bible dit, Esaïe 33, verset 16, ça dit, c'est pas même. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Bon, Dieu dit, pain, on mange, même si on n'a pas de poisson, on n'a pas de manger, mais bon, manger. Ok, troisième nom pour frapper du côté. Côté troisième nom frapper. Il frappe dans le fleuve. Regardez, il frappe le fleuve. Pas gain de l'eau pour baigner, pas gain de l'eau pour bosser dedans, pas gain de l'eau pour laver machine, pas gain de l'eau pour manger, pas gain de l'eau pour faire rien. Mais bon, Dieu dit parole ça dans Isaïe 41, verset 17 et 18. Ça le dit. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée. Pourquoi? Par la soif. Moi l'Éternel. Tenez ça, bon Dieu dit. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Ma prépugno, moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Bon, je dis, pas quitter. Laisse tout le monde soif, laisse tout le monde desséché, laisse tout le monde pas de l'eau. Il dit, moi, je ne vais pas abandonner, peuple. Qui ça me va faire? Il dit, tenez, ça, il dit, je ne vais pas faire. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Comment ça l'a dit? Il dit, quel que soit côté petit moyen, il a besoin de l'eau. Il a besoin de l'eau. Quel que soit côté lié, il y a un monde qui a besoin de l'eau, il y a une vallée qui a besoin de l'eau. Quel que soit côté lié, petit moyen qui est baptisé, qui accepte maintenant, il a besoin de l'eau. Ok, quatrième, non, pas frapper côté, côté frapper. Le quatrième verset, ça coupe où ça? Dans le soleil. Ok, là, il frappe sur le soleil, tout le monde boule, ça va passer mon yo. Est-ce que vous m'avez frappé? En lien, c'est ma veine. Somme 121, lien, c'est ma veine. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Voici ce Dieu-là, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, a répondu, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Petite bon Dieu, pas que le soleil la frappe. La protège. Tout le monde a boulé. Tout le monde a une soeur, avec le petit doit marcher à l'aise, pas aucun problème. Cinquième nom pour le frapper, quand il frappe, il frappe sous trône bête, la guette ténèbre. Mais bon, je dis, l'Éternel. Amen. L'Éternel est ta lumière. C'est ma lumière. L'Éternel, ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pas besoin de peur. Sixième nom pour le frapper, couplé ça sur le grand fleuve, le frappe, l'Itari. Pas gain de l'eau, pas gain côté pour passer. Regardez. C'est l'air ça. Je vais finir le lance, ma voix. C'est l'essa. Regardez bien pour eux. Ce sont des rois de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Now qu'on y est, c'est le dernier combat. Now fait nous faire porte l'église là. Now qu'on y est, l'église n'a pas grimpé. Trop bagaille, fait nous finir avec un roi pour nous résoudre tout problème. Puis on fait même l'église ça, bon Dieu guerre. Mais l'Éternel a une bonne nouvelle pour vous. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas comment? Chanel. Mais elles sont comment? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les fautresses. Peu bon Dieu, pas le rite sous des genoux style. Parce que la Bible dit, pas oublier. Mes paroles, pas j'oublie. Isaïe 54, verset 17. Il dit, toute âme forgée contre toi sera comment? Sans effet.
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que quelqu'un dans l'église qui parle devant nous, moi je condamne. Parce que c'est l'esprit qui parle dans la place. Après l'Éternel dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dit quelqu'un, l'Éternel des armées. Septième nom, frappé. Après la Bible dit, c'en est fait. Septième nom, son bagage est cassé. Tout bas écrasé net, tout bas fini net. Mais l'Éternel a une bonne nouvelle pour vous. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Quand ça, bon Dieu, là, posez l'eau et ça arrive. Parce que déjà, bon, dans la parole, moins que le gain pour arriver. Posez, ma prends soin. Posez, ma défends nous. Posez, ou avez de l'eau pour boire. Posez, ou avez une paix pour manger. Posez, ou avez un côté pour habiter. Posez. Et ça veut dire là. Dieu, finalement, vous donne un dernier avertissement. Il bon fait dernier avertissement. Avertissement est dans la Bible, Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, qui ça? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, la Bible dit, sorti parmi moun sa yo. So, demain, si Dieu veut, vini pour nous dire qui sa Babylone symbolise, qui sa que a fait. Kade, message demain, si ce n'est pas un message que je vais prêcher même. Je vous dis la vérité. Je ne parle pas de prêcher. Mais comment je vais camper dans le jugement si je ne vais pas prêcher? Il y a un dans la Bible, je ne vais pas prêcher. Sortez! Il y a un dans la Bible, parce que sourire, tu n'as pas de la vie. Il dit sorti pour pas participer dans fléau, pour pas prendre fléau tout, il y a un côté. Regardez, gonzan mi ensemble avec. Là il en drogue, machine là gien drogue là-dedans. Police rete nous, il pas besoin qu'on est sous l'endroit pendant d'autre ou la machine là tout. Ou la machine là tout. Ça comme toujours dit nous, si moun pas supposé gien pas d'amis non. Si moun pas supposé gien pas d'amis. Ce n'est pas n'importe qui est capable de faire bon. Bon, j'ai clair dans le bagage ça. Il y a des côtoyés, couille, qui t'aille vite. Moi-même, ma vie pour moi, ma paix de moi. Mais quand il s'agit des affaires spirituelles, mon cher, ça la Bible dit, c'est l'imfait. Pégot. Jésus dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Vous êtes capable de laver la robe? Oui, vendredi si Dieu veut. Vous êtes capable de laver le vendredi si Dieu veut. Baptiste est là. 6h45, tout le monde qui veut baptiser, n'attend nous. Pour t'asseoir, avant qu'on y aille, Jésus-Christ dit, venez à moi. Avant qu'on y aille, oui, il dit, qui ça? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vais vous donner quoi? Il dit, recevez mes instructions. Ce n'est pas pasteur Paul, Kabdou Samabdoula. C'est écrit dans la Bible. C'est la révélation de Jésus. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Mais si toutefois vous rejetez l'instruction en tout, vous n'avez pas besoin de repos. Faites une bonne vérité, je ne suis pas capable de bonne vérité. Donc ce soir, il frappe à la porte de votre cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mounza yo, vous entendez? Bon Dieu frappe n'importe quel. Il n'y a pas de la Bible parce que dans le pays communiste. Il n'y a pas de comprendre rien. Grand bonheur, c'est grand monde. Grand bonheur, c'est jeune mesdames. Vous avez décidé de descendre dans les eaux baptismales. Regardez, tout ce grand monde là, vous avez belle si vous avez jeune si vous avez tout.
Alors tu sous jeune petit garçon bel petit monde, je vois venir grand monde tout. So avec ton lèbre là presque fini non pour ba Jésus reste là. Et Jésus qui devient dans monde là. Non pas ton lèbre pendant jeune là même ou ba Jésus. D'ailleurs, ou par contre soit privé dans l'âge grand monde ça. Jeune mouri, youth is not a safety. Youth is not a safety. Ti moun mouri, jeune moun mouri, grand moun mouri. Et l'on a dormi, guess what? L'on a dormi nous lever, bon Dieu pas obligé de lever nous. Son grâce qu'il fait, levez-nous. Il vient. Il est en route. Notre délivrance approche. Assoir. Jésus dit, je vais appeler la salle là. Appelle la claire. Tout le monde qui a aimé recevoir le sceau de Dieu. Puis vous êtes capable de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, voyez-vous en retour. Pensez à l'air que vous êtes cloué tout au nez. Jean-Maman le fait. Il n'est pas trop. Il descend, il cloué le son quoi entre le ciel et la terre. Tout au nez. Il n'y a pas de cloué le monde avec rad sous vous. Jésus pas honte. D'ailleurs, il dit, si vous êtes crampé pour moi, je vais vous confesser le nom dans ciel-là devant papa. Tout le monde qui t'a aimé recevoir le baptême vendredi soir, venez devant la cognac, nous allons prier ensemble avant. What does it want? Young and old, if you preparing yourself to get baptized, please come forward. Son prière spéciale qui va le faire pour avancer, en avancer. Alors que, précisément, nous allons chanter pour nous tel que je suis, sans rien à moi. Et vous-même, qui dans Facebook, dans YouTube, ou après le numéro de téléphone, moi sur l'écran. Ou après sur l'écran, 954-803-4556. Relim, souris, moi je vous c'est des text message, n'a préparé pour vous capable de recevoir le baptême. Si, ma prévention encore, oh, c'est nous, pourquoi venir, qui ne fait pas faire prière là, ma prévention presque commence, soit fait plan pour recevoir le baptême, avancer. Ou après ce monde, ou pour qui ça nous voulait faire prière ça, soir, nous voulons faire prière à soir, pour bon Dieu déjà, c'est l'eau à soir. Pas lors de ce nom depuis à soir. Parce que si Jésus vient à soir, ou scellé par la grâce de Dieu, avancez. Nous avons besoin de honte. Avancez. Tel que je suis sans rien à moi. Ouais, mon sang qui vient là. Jésus dit pour nous, si à soi là, il t'a pas prononcé le sang des faits, moun sa aussi, il est sauvé pour le temps et pour l'éternité. Avancez, pas honte. Mais frère, pas grand rien dehors, non? Pas grand rien dehors. Pour jeune garçon, pour jeune fille,